Ça va direct, hein. Pas de cinématique, c'est. Dans une heure, soit Arcturus Menck sera mort, soit ce sera moi. Je suis encore vivante, je me mettrai à la recherche d'Amon. Le Xel'Naga déchu, un être au pouvoir inconcevable. Nous n'avons aucune chance de gagner. Alors pourquoi se battre? Parce que la seule alternative est d'attendre et de mourir. Je n'ai jamais voulu mourir dans un lit. Alors affronter un dieu jusqu'à mon dernier souffle, ça me semble une mort honorable. Je suis avec vous. Parfait, le petit sourire qui met bien. Quoi qu'il advienne, je suis prête, ma reine. De ouf. Même si nous échouons et que nous mourrons pendant ce combat, nous avons déjà réalisé l'impossible. Nous avons réduit en pièces le pouvoir de Menck. Désormais, c'est au Terran de tirer profit de cette occasion. Cela n'a aucune influence sur l'avenir de l'Essaim. Exact. Mais il y a encore des mers éprouvées en orbite avec leur Léviathan. L'Essaim survivra, quoi qu'il arrive. Et il sera changé. À jamais. Ok. Je vais l'alterner. Évolution de l'Essaim en arme puissante. Direction parfaite. Parfaite. Abattue. Tout ce que j'ai fait avec les saints avait ma vengeance pour seul objectif. Détermination des objectifs par la reine. Modification des objectifs, modification de les saints. Voilà notre fonction. Tu sais, parfois tu n'es pas si affreux, la voiture. Référence confuse. Il est vraiment trop bien, la voiture. C'est vraiment le meilleur. Je récolte beaucoup d'essence en vous suivant. Je suis heureuse de l'entendre. J'ai encore besoin de toi dans mon essaim. L'essence abonde encore. Je change encore. Je vous suis encore. Eh, je comprends. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Il est temps de passer à l'action. Ça gagne. Je me souviendrai de ce que vous avez dit, ma reine. Mais l'heure n'est plus au mot. Allons faire un massacre. Tu as raison, Zagara. Et je ne pourrais avoir meilleur second pour ce combat. Tu le sens, Minsk? Tous tes plans, tes mensonges, tes manipulations, tout s'écroule autour de toi. Bientôt, tu paieras pour toute la souffrance que tu as causée. Eh ben c'est maintenant, en fait, c'est pas bientôt, c'est maintenant. L'arme Terran a été détruite. Votre essaim se tient prêt à attaquer. Seules subsistent les défenses du palais. J'ai aucune idée de ce que c'est que cette mission. Le secteur nord-est est dégagé. Nous sommes en retard dans le couloir est. C'est le moment, Valérian. L'évacuation n'est pas encore terminée. Je ne peux pas me permettre d'attendre plus longtemps. Promettez-moi que vous éviterez les regroupements civils. Je ne peux pas. Arcturus s'en apercevrait et s'en servirait contre moi. Alors des millions de gens vont mourir. Très bien. Ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Et je ferai mon possible. Ouais, je n'ai plus de souvenirs, je ne sais plus ce que je fais là, mais je vais finir Heart of the Swarm, et je crois que j'ai commencé il y a 4 jours en fait, mercredi. Kerrigan, les dés sont jetés. Ouais, mercredi du matin, ouais, c'est sûr. La dernière fois que votre essaim obscurcit le ciel d'une planète. Coral résistera, tout comme moi. Quel beau discours. Je le graverai sur ta tombe. Ishar, Zagara, Stukov, Leaka, mes mères découvées, mes reines. Écoutez-moi. L'heure des préparatifs et des délibérations est terminée. Il est temps de les anéantir. Attaquez, mais ne vous arrêtez que lorsqu'ils seront tous morts. Ouais. Du coup, les civils, finalement... Ok. C'est direct, je réfléchis même pas. Ça, c'est oui. Fait. Vous n'auriez jamais...
sur Coral. Ça, c'est possible. Vous êtes encerclé par des unités d'élite du Dominion. C'est moi, l'élite. Et pourtant, ils ne pourront pas te sauver. Derrière combien de cadavres vas-tu encore te cacher? Ah, c'est les mercenaires, c'est marrant. J'en ai assez de votre persiflage. Soldats, liquidez-les. Notre conquête se poursuit. Ok, ok, c'est marrant. Nous adaptons. C'est marrant, mais pas trop. Calmons-nous. Hop, plus de Vespen. Là-bas, il y a une... Ok, une base qu'on peut utiliser. J'ai aucun bâtiment, donc je dois vraiment tout construire from scratch. Je vais directement faire le nid de cafard que j'oublie trop souvent. Je vais faire ça plutôt d'abord. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Petite forêt. Ah, c'est vraiment juste pour le plaisir de faire. Hop là. Ouais, je peux faire directement la petite carapace quand même. On a là le gaz. C'est une dinguerie. Hop là. Mais c'est mes yeux qui... Ah, c'est trop bizarre. Je sens... Non. Ce n'est pas possible. Et si vous payez. Ma reine, un cuirassé Terran approche de votre position. Quelque chose de familier chez... Jim ? Finissons le boulot. Jim, on fait pas du rire. On est liés tous les deux, quoi qu'il arrive ici aujourd'hui. On affronte ça ensemble. Jim... Merci. Tu me remercieras plus tard. Pour l'instant, il faut gagner cette guerre. Ouais, ouais, ouais ! Il a pas tort. Alors, j'ai la ruche, donc ça veut dire que je peux faire directement ça, comme ça je m'emmerde pas. Tu ne devais pas évacuer les civils ? Valérian et Horner s'en chargent. J'avais d'autres trucs à faire. Donc a priori, j'aurais moins de problèmes. Pas de problème ici. Protège le flanc gauche pendant que je m'occupe de Minsk. J'en reste trop longe. Nous sommes sans... Ok. Je vais faire confiance à nos alliés, ok? Hop, ça c'est ma base numéro 1. On va faire ça évidemment et un peu de ça aussi. Voilà, ça toi tu peux avancer un peu? Oui bah. Bon. C'est pas si mal? On essuie des tirs, ils se concentrent sur nous. Tiens le coup, Jim, on arrive. C'est un délire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je tiens là toute seule. J'ai un peu le seum. Ah mais non, mais je peux en fait. Pro de médic. Oui, bah, nos alliés, je les emmerde. Ils m'ont mis dans une merde. Votre reine est attaquée. Non, non, c'est ma reine qui les attaque. Et bah, ouais. Ça dégoûte, Jim.
Là, ça part en vrille. Hein. Nos alliés, ils vont se démerder maintenant. J'ai plus de ressources. J'attaque, oui. Tant pis, hein, j'attaque. C'est vrai que j'ai ça. Tout est mort. J'avais plein les ergues et tout est mort. En une seconde. Ok, bah suis-moi. C'est acté que je vais les perdre, mais c'est pas très grave, c'est juste nécessaire en fait. Hein. Oui, bon, nos alliés, maintenant ils se démerdent. Nos troupes sont rien du tout, nos troupes. On se prépare pour l'attaque contre le Dominion. On sera bientôt prêt. J'aurai ma revanche. Je suis le saint. L'heure est venue. Les saints sont morts. Je passe pas un moment, hein. La mort vous attend. Vous forcez la main. Escadron Fureur Céleste, détruisez l'Hyperion. Une flotte assez importante se dirige par ici. Un peu d'aide pour abattre ces gars, ce serait pas de refus. Ouais. Ouais, ouais, m'en doute. Les saints triomphent. Et ben, c'est vrai, comment je défends ma base, moi? Je veux bien le croire. Nous sommes sans limite. Si ça suffit pas, je m'énerve. Votre reine vous écoute. Nous nous attendons. Oh, c'est quoi, ça a l'air? C'est pas la petite attaque, hein, c'était... On va finir de détruire ça. Votre essaim attaque les troupes Terran dans trois positions retranchées. Oh, si vous pouvez prendre ces retranchements à revers et les détruire, nous nous joindrons au massacre. Ces défenses auraient bien besoin de quelques réparations, Arcturus. Vous paierez pour ça. Non, mais c'est moi qui paye là. Vous vous rendez pas compte comme je galère. Votre reine vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mexque va souffrir. Ah, ça, je veux bien le croire par contre. Je l'ai fait tellement zéro depuis le début des dominants. Votre reine vous écoute.
purée, bien joué. Mais non, arrête de dire ça. Bah t'es mort. On se prépare pour l'attaque contre le Dominion. On sera bientôt prêt. Ok, j'avance comme je peux moi aussi. Bah, inutile de remettre à demain. Mexc va souffrir. Je sais pas lequel des Mistralis. Escadron Alpha, détruisez-moi ce maudit vaisseau. Quoi? C'est où? Tu es resté en approche. Je vais peut-être avoir besoin de ton aide sur ce coup, Sarah. On va arrêter, hein. On rentre tous à la maison. On rentre tous à la maison. Je suis les saints. Si on pouvait juste éviter de mourir, hop. Je serais ravi. Nous nous adaptons. Notre conquête se poursuit. Les saints triomphent. Ici, je vais en prendre deux et je vais faire... J'aurai ma revanche. Ça va pas être marrant. On va quand même essayer. Résolument. Pourquoi pas? Ce monde m'appartient. Wouah! Je me suis fait tellement déchirer. Ok, j'ai pas peur de ça. J'ai plus peur de cuirasser. Des cuirassés, il y en a deux! Ok, il y a aussi des tanks derrière. Est-ce que les cuirassés tout de suite c'est pas assez? Hop! Et t'es quoi les potes? Merci. Notre conquête se poursuit. Je suis assez content que personne n'ait attaqué ici en vrai. Même si j'en profite pas. Ce qui est une honte. Votre règne vous écoute. Bah oui. Ok. J'en ai fait qu'un. Mais merde. Merde. Les alliés vont bien se démerder. On va faire ce qu'on avait prévu, à savoir attaquer là-bas. Inutile de remettre à demain. Faites quoi là les potes? On est presque prêt à lancer l'attaque contre le Dominion. Oui, bon. À bientôt. Lancez, bon pour moi. Ça va pas. Fasse donc. Voilà, maintenant on a gagné notre petit storm. La voie est dégagée, Zagara. Dirigez-vous vers le secteur. Oui. Avec plaisir, ma reine. Ah, j'ai vraiment perdu tous mes Ukraïs là. Alors, tous ces deux, hein, mais.
prières. Je vais te laisser faire, Zagara. Les saints triomphent. Je vais croire en toi. Mais moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais merde. Moi aussi, j'aime beaucoup la campagne de Zerg, mais elle est beaucoup plus courte que ce à quoi je m'attendais. Alors, tout le monde retourne plutôt par ici. Notre conquête se poursuit. On a du floudet. Hop, hop. Pas du sralisque. On va faire des Zerglings parce que les Zerglings ça coûte que dalle. Et que c'est de la viande. Je suis bête, je peux pas faire. Bon là maintenant, il va y avoir un petit flou d'un petit peu ininterrompu. Oui. Voilà. J'ai mon swarm, mon spell. S'il faut, ça c'est pour améliorer l'ultralis une dernière fois. Vous vous souvenez de ça, Arena? Votre ancien partenaire a été assez gentil pour me laisser ça ici. C'est ça? Ah merde. Je reconnaîtrai cette signature n'importe où. Il a envoyé le Odin. Sarah. Continue. Tu dois mettre fin à tout ça. Continue sans moi. Tu peux toujours courir. Oui. Coup, Jim. J'arrive. Oh non, Jim. Rien là quand même. On va pas dire ça. Je suis fou, les saints. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Belle attaque ça. Notre conquête se poursuit. On va attaquer. Non, Jim, t'es fou. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu peux pas me faire ça. Hop là. J'aurai ma revanche. Je pense qu'on va défendre à la mano. Il est là. En ce moment même. Il approche. Allez, on envoie tout le monde. Le Odin a mordu la poussière. Allez, tout le monde attaque. T'inquiète pas pour nous, on est toujours dans la partie. Non, j'avais pas vu ça. On est presque prêt à lancer l'attaque contre le Dominion. On part bientôt. Je teste. Rentre à la maison toi, survie s'il te plaît. Je sais, je suis désolé les potes, En vrai c'est le seul truc qui peut m'attaquer des aériens ici, je sais pas pourquoi je fais rien pour ça. Oh, mais on a un petit cuirassé avec nous. On est au calme. Je ne vous laisserai pas détruire la seule chance de survie de l'humanité. Oui, mec, oui. Merde. Il y a de la chance de t'avoir. C'est ça la vérité, c'est qu'on devrait te remercier. C'est clairement mes troupes qui attaquent et pas l'inverse. Hop là. Mes troupes sont pas attaquées. Hein. Mes troupes sont clairement en train de les défoncer. Bien compris. Finissons-en. Ah! Ça devait arriver. On redescend. Et j'ai peur que mes Zergs ne fassent rien du tout. Salut, tu peux passer. Ils vont me dégommer.
Il me dégomme. Bien. Je les hais tellement, du coup j'ai perdu tellement de trucs. Ça et ça. Et également tout ce qui a un rapport avec ça. Votre reine vous écoute. La reine m'écoute. Eh ben c'est pas dommage. Voilà. Bon, comment ça va, Uliflo? C'est triste. On se prépare pour l'attaque contre le Dominion. Et là, c'est bientôt prêt. Très bien, bah tu m'en diras. Attends, mec. Moi, je suis beaucoup moins prêt qu'avant. Que ça se sache, hein. Oui, tout le monde parle là. Parce qu'après tout, pourquoi pas? What? Qui vous souhaite là, vous, dans la pampa tout seul? Calme, on se regroupe là et puis après on a mis. Oh ouais, il est passé hein. Oh, il trahit. Non. C'est si faux. Hop. Voilà, la guerre, c'est la guerre. Oh, bien joué ça. Bien joué. Hop, on reprend tout. Les troupes sont pas vraiment attaquées. Hein. Il ne reste plus de défenseurs dans l'avenue. Léa, envoie ta meute dans la ville. Voilà. Oui, nous allons nous repaître de leur essence. Je veux bien le croire. Je suis les saints. C'est vraiment juste pour dire qu'ils existent, hein, parce que c'est quand même bien de la merde. Oh les, hein, j'attaque. C'est vraiment pas le plan initial, mais c'est eux qui ont voulu se battre, donc. Allez. Pour l'attaque contre le Dominion. J'ai l'air de faire froid. Si je donne l'impression de me tourner les pouces,
n'hésitez pas à me le faire savoir, parce que là, moi, l'attaque contre l'avion, j'ai déjà commencé. Hop là. J'ai pas vu que c'était si mal passé. Nos alliés se battent. J'ai plus d'armée. Ok. Mutation terminée. J'avais l'impression que ça se passait super bien. Et puis d'un coup, j'ai tout perdu. Hop. Tout va bien. Ça devait arriver. Ça ne me surprend guère, hélas. Ok. On attend Kerrigan. Mais je suis pas sérieux d'exister là. Je sais que ma PLS c'est le Vespen et tout le monde est en train de faire du. Nier. C'est bête. Bête. Voilà. Moins de problèmes, plus de solutions. Attaquerai pas par là pour clean la zone. L'heure qu'est-ce que j'ai fait? Nous sommes sans limite. Non. C'est vous quatre que j'ai lancé là. À l'aventure. Non, c'est pas ça. Oui. Votre rêve. Je parle. Ah! On se prépare pour l'attaque contre le Dominion. Vous branlez, vous. On sera bientôt prêt. Ça, je l'aurais bien compris. Hop là. Attention. Yeah, attaque. C'est pas de taille, ils attaquent, c'est bien. Ils sont entreprenants, c'est rare, on en profite. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait parce que. Ça aurait été long hein, cet assaut final.
Hop, bah j'ai encore tout perdu, en fait. Ça, je sais. Bon, on va attendre que Jimmy décide et puis on... Oh bah non. La nouvelle de merde, ça. C'est là? Ouais. On peut aller moins loin, on peut aller là. Hein. Ça suffit, là. Je suis les saints. Ils avancent par là. Inutile de remettre à demain. Notre conquête se poursuit. J'espère. J'ai arrêté de se toucher les couilles, mes alliés. On se prépare pour l'attaque contre le Dominion. On sera bientôt prêt. Pas moi aussi, je suis prêt. En vrai, c'est le dernier assaut là, c'est sûr. C'est vraiment pour faire désormais. This is Jimmy. Yeah. Notre conquête se poursuit. Ce monde m'appartient. Ils ont refait des tanks. Mais d'où ils sortent? Non mais dis-moi ça, okay, yeah. Arrêtez la reine des lames pour l'humanité. Non. Voilà. C'était long, hein. J'ai rendez-vous avec l'empereur. Longue vie à la reine. Ouais, ouais, ouais. C'était pas tellement compliqué, c'est juste que j'étais un peu nulos, que j'ai fait que des faux. Peut-être que si j'avais fait plus de mutalisme direct, ça serait mieux passé. J'étais un peu nulos. Je te comprends, moi c'est la deuxième fois que je la fais. Ou troisième peut-être aussi. Peut-être troisième aussi. Ouais, pour l'époque en plus. Bonsoir, Kerrigan. J'attendais votre arrivée. Je suis étonné que tu n'aies pas essayé de t'échapper. De m'échapper? Ma chère, j'ai bien peur que vous n'ayez faux sur toute la ligne. Ah.
Sincèrement, vous ne pensiez tout de même pas que j'allais garder un animal tel que vous, sans avoir une bonne police d'assurance. De toute évidence, vous êtes mon plus grand échec. Le moment que j'attendais tant est arrivé. Je vais enfin vous tuer. Changement de programme. Jamais assez pour toutes les vies que tu as détruites, Arcturus. Je vous ai transformé en monstre, Kerrigan. Non, tu nous as tous transformés en monstres. Elle est trop forte. Merci, Jim. Merci pour tout. C'était un plaisir, chérie. Comme toujours. Pourquoi ils sont vertueux, même si Kepler Kerrigan, il est tout seul, tout seul, il est envahi. Maintenant mon véritable ennemi. Amon. Il m'attend dans le vide. Et possède des pouvoirs que je ne peux imaginer. Je pars l'affronter en ayant renoncé à tout. Mon humanité. Mon identité. L'homme que j'aime. Mais je ne serai pas seul. Je suis l'essaim. Et ouais, mon gars. Ils sont dans le rôle générique. Ah putain. C'est le même en vrai, non? Je vais pas me le refaire. Je l'ai déjà fait la première fois. Étant donné qu'on l'a fait dans Wings of Liberty, on va supputer que c'est plus ou moins les mêmes personnes qui ont travaillé sur Heart of the Swarm. Et du coup, nous allons passer ce magnifique générique. D'accord ? Ça me fait du mal de faire ça. J'aime pas. Non. Je laisse. Comme ça, on regarde les artworks. Et on écoute la musique. C'est gênant ce bruit d'hélico derrière un peu quand même. Je sais pas si c'est normal. Ou si c'est un bug. Je pense que c'est plutôt un bug. Hein. Putain, c'est pas de bol! J'arrive pas à passer un générique, en fait je suis en stream, je me dis bah ouais bah il faut laisser le générique, même si je le passe en accéléré, mais il faut le laisser, c'est normal. Donc tant pis, c'est le même, c'est pas grave, mais il a changé de couleur. Pas tout à fait le même. Non à mon avis c'est un bug, j'ai dû finir la mission sur un bruit de merde qui est resté, en général ce genre de bug vient de là.
Ça permet de parler d'un truc, d'un bug dans le jeu. Et du coup, Liflo, j'en profite vu que t'es là. Est-ce que t'as fait aussi StarCraft 1? Parce que moi, je n'ai jamais fait StarCraft 1. Et dès que j'aurai fini StarCraft 2 en brutal, je vais me faire StarCraft 1. Voilà, c'est le projet. Mais je vais le faire en version cartoon. Parce que le rétro gaming, ça me fait mal au fion, un peu quand même. En toute honnêteté. Je trouve que les visuels, même s'il a été remastered, ça me tabasse un peu. Et du coup, je le ferai en version cartoon parce que ça a l'air. J'aime beaucoup Carbot Animation et le fait qu'ils aient refait tous les graphismes de StarCraft 1, je trouve ça génial. Ok, cool si tu l'as commencé. Bah ouais, ça va être trop le feu. Ouais, bah je le ferai en live aussi. Hein. Je ferai le 2 avant le 1, parce que j'ai commencé à faire le 2, à refaire le 2, avant que je découvre qu'il y avait StarCraft 1 Cartooned. Ouais, je comprends. C'est génial, Carbot Animation. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Carbot Animation, allez voir ce qu'ils font sur tous les jeux Blizzard, c'est incroyable. Ils ont aussi une boutique, ils font des It'd Be Cool If. Enfin, ils ont plein de trucs qui sont... C'est vraiment stylé. C'est pertinent. Toutes les vidéos de StarCraft 2 ne sont pas forcément compréhensibles si on joue pas en multi. Parce que ça parle beaucoup des méta, etc. Donc de quelle race est forte par rapport à quelle race, etc. Et des méta, de tout ce qui est bien à tel moment. Mais ça reste rigolo quand même. Mais quand on comprend, ouais, voilà, quand on comprend, c'est marrant et ça reste rigolo. Globalement, c'est surtout des terrains de voir se faire bully. Et du coup, j'ai contacté l'équipe Carbot pour savoir si ils avaient pour projet de faire éventuellement un Warcraft 2 cartooned. Mais hélas, ils m'ont répondu qu'ils avaient jamais joué à Warcraft 2. Et que du coup, il y avait aucune chance que. Ou peu, très peu de chance que ça arrive. Ça m'a mis un peu le seum. Moi, je suis prêt à leur faire un doc, hein. Avec toutes les unités, avec. Avec tout, juste pour qu'on fasse. On ait un Warcraft 2 cartoon. Moi, je me lance dans Warcraft 2 juste pour ça. Le projet, je suis grave chaud. Parce que. Ok, ils ont pas joué à Warcraft 2, mais ils ont joué à StarCraft, c'est pareil, c'est bon, c'est un RTS, ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Donc, ils ont les unités et ils ont, même s'ils n'ont jamais joué à Warcraft 2, ils ont fait plein de vidéos Warcraft avec des personnages de Warcraft. Moi, le War 2 cartoon, je signe tous les jours. Hein, tous les jours. J'ai déjà joué à Warcraft 2, mais c'est surtout... en fait, moi, j'ai découvert plus ou moins le jeu vidéo avec mon père qui jouait à Warcraft 2. Ça, c'était une putain d'expérience de fou. Mais j'ai pas trop joué à Warcraft 2 parce que, après, quand j'avais. Je sais plus quand il est sorti Warcraft 3, mais 12-13 ans, il y a Warcraft 3 qui est sorti. Et du coup, quand j'ai commencé vraiment à avoir un PC et à jouer, bah j'étais sur le 3 en fait. Mais le 2 est ancré quand même dans ma tête parce que mon père y a énormément joué. Et voilà. Par contre, mon père n'a pas réussi à passer au 3. Il a trouvé que ça faisait trop d'informations à l'écran par rapport au 2, que c'était un peu moins épuré. C'était un peu plus le bordel, les héros, même s'il y a des héros dans le 2, hein, mais les sorts, etc., ça lui convenait moins. Du coup, même encore aujourd'hui, je crois que mon père joue encore à Warcraft 2. Et à Cossack. Et à Silent Hunter, un jeu de sous-marin. 1. C'est du vrai rétro gaming. Et on arrive au bout de ce générique, au final... Au final, c'est sympa parce que passer un générique en papotant, c'est rigolo. C'est la fin de cette campagne Earth of the Swarm. C'était bien cool, c'était bien stylé. Voilà, toutes les missions étaient terminées. Il y a 27 missions. Je trouve que ça fait beaucoup. Ah, mais j'imagine que dans les 27, ils comptent toutes les missions d'évolution des bestioles. J'ai un peu la beige. Parce que c'est pas vraiment 27 missions qu'on a fait là. J'ai plus l'impression que c'est autour d'une vingtaine. Ouais. Très bien, et bah merci à tous d'être passés, bisous YouTube, on se retrouve très bientôt pour la campagne, j'ai oublié son nom, Legacy of the Void, ouais je crois que c'est ça, sur Artanis, quand je dis très bientôt c'est ce week-end en fait, hein. Donc si ce n'est ce soir c'est demain, voilà bref.
Donc ouais, on continue Protoss, et après, on se tapera toutes les missions aussi de Nova, hein, qu'on a déjà faites, et voilà. Et bah, avec plaisir, il faut que tu repasses quand tu veux. Bisous YouTube, et puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!